parle d'entrée de Chicoutimi, il faudrait pas que je l'oublie. On vous présente John Hallyday. Tout le monde le connaît. John Hallyday, moi, je sais pas, tout le monde vous a dû vous poser des questions, vous harasser, vous, pas vous lâcher une seconde depuis que vous êtes entré au Canada, mais je pense... Les questions surtout qu'on me pose, c'est si j'aime le Canada ou pas. Bon, alors, disons qu'on va commencer par celle-là. Moi, je trouve ça formidable. Et surtout, les accueils qu'on a reçus dans chaque ville, oui. Je trouve ça très gentil, très sympa. Et Johnny Hallyday, depuis le temps que vous faites de la chanson, est-ce que le public canadien, ça se compare au public français ou s'il y a une grande différence? Parce qu'on sait que le public français est un peu plus tapageur. Oui, ça dépend des villes. Il hein. Y a certaines villes où ils sont plus tapageurs qu'en France, mm-hmm. et certaines autres villes où ils sont plus calmes. Mm-hmm. Et également, Johnny Hallyday, est-ce que vous projetez, par exemple, en quittant ici le Canada, qu'est-ce que vous projetez faire? Un autre film, quelque chose? Non, en quittant le Canada, je vais à Paris. Je fais une télévision. Mm-hmm. Ensuite, je pars en Turquie. Ensuite, je reviens de Turquie, je vais en Espagne, en Allemagne, au Japon. Ensuite, je reviens, je fais une tournée d'été en France. Mm-hmm. Et ensuite, j'ai d'autres engagements. Je ne l'ai pas dans ma tête exactement où. Et ensuite, l'Olympia pour le mois de octobre-novembre, par là. Ce ne sera pas ça, l'Olympia, qui vous aura lancé, vous, Johnny Hallyday? Non, parce que j'étais déjà connu quand j'ai fait l'Olympia. Ouais. On ne fait pas l'Olympia quand elle n'est pas connue, en général. Johnny Hallyday, avant de quitter l'Europe, avant de venir ici au Canada, est-ce que vous étiez sorti de l'Europe pour donner des spectacles? Non. Jamais? Non. C'est votre première grande tournée en dehors de l'Europe. Je suis déjà venu à New York, à Chicago, enfin, j'ai fait pas mal de villes des États-Unis. Avec Sylvie Vartan? Non, tout seul. Tout seul? Mais ce n'était pas pour chanter en spectacle, c'était pour faire des disques, et puis c'était aussi pour mon plaisir personnel, pour visiter un peu les États-Unis. On a dit, Johnny Hallyday, que votre dernière grande dépense, c'était l'achat d'un avion. On sait également que vous êtes un peu casse-cou. Est-ce que c'est vrai? Quoi, c'est un défaut? Ben non, non. Oui, je suis un peu casse-cou. Oui. Mais quand on vit sans risque, qui ne risque rien n'a rien, n'est-ce pas? Justement, oui. Et ensuite de ça, Johnny Hallyday, est-ce que, par exemple, un de ces jours, vous allez revenir ici au Canada? Je l'espère. Prochainement? Ça, je ne peux pas vous dire, puisque j'y suis encore. Je ne sais pas, moi je vais aller dans l'avenir un peu plus loin, à savoir, tu sais. Je reviendrai certainement, évidemment, oui. Et cette fois-là, est-ce que, par exemple, votre épouse vous accompagnerait? Si c'est possible, oui. Si c'est possible. Oui. Et également, Johnny Hallyday, je présume, je ne sais pas, je vais aller du côté personnel, du côté familial, si on peut dire. Vous devez sûrement pas avoir l'occasion de vous rencontrer tellement souvent, Sylvie Vartan et vous. Oui, le problème est là. Je vois plus souvent mon public que ma femme. Et Johnny Hallyday, lorsque vous êtes allé faire votre service militaire, si vous avez pensé de ça, vous levez tôt le matin, voilà, vous levez tôt le soir. C'est affreux. C'est affreux. Parce que je ne pouvais pas me coucher tôt, mais j'ai été obligé de me lever tôt. Oui. Alors je dormais entre 3 et 4 heures par nuit. Spectacle quand même? Non, je n'ai pas travaillé. Je ne veux... Quand on est, enfin, je ne sais pas au Canada, mais en France, on n'a pas le droit, étant militaire, de faire, d'exercer son métier. Mm-hmm. Et vous avez composé également des chansons lorsque vous étiez à faire votre service militaire. Et puis ces dernières chansons, on les a sur un dernier micro-sillon qui vient de sortir ici au Canada. C'est exact, oui. Et qu'est-ce que vous en pensez de cette nouvelle expérience-là, de composer des chansons vous-même? Ben, c'est pas une nouvelle expérience.